L'entreprise de mon père a lancé un site de rencontre pour les gens qui veulent tromper leur partenaire sans se faire peur. Meilleur qu'une thérapie de couple. Aventuresecrète.com. C'est ça que j'attendais. Ça, c'est bon, Steve, ça punch, c'est dérangeant. J'imagine que ça doit être pas mal payant. Assez, oui. J'arrive juste pas à concevoir que ces deux hommes-là aient décidé de s'enrichir sur le malheur des autres. J'ai rien contre ton aspiration à vouloir recriminaliser l'infidélité, mais ta tâche sera pas facile. Faire de la publicité pour promouvoir l'infidélité, c'est quand même assez tordu. Si c'est pas nous autres, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ah! Ce qu'on propose, c'est une plateforme qui assure la discrétion aux gens qui choisissent l'infidélité comme mode de vie. Hmm, on devrait peut-être essayer ça. Dans le fond, là, tu l'as parti pour pouvoir t'en servir, ce site-là. À vous, le don. Moi, ce que j'aime, c'est les hommes de pouvoir. Ça me fait mouiller. T'es pas bien avec maman? J'ai une date à soi. Ouh, avec le même? T'aimerais-tu ça que tes enfants aient boire comme ça? Tu baises une fille d'une autre génération? Quoi? J'ai reçu des lettres de menaces à cause du site. Évidemment, t'en as parlé à la police. En tout cas, moi, si j'étais toi, je prendrais ma perte puis je passerais à autre chose. On est rendu, il n'y a plus rien à penser. On fonce, c'est tout ce qui reste à faire. T'as raison, go, go, go! Lâche-moi! Tant qu'on respecte les lois, on est dans un pays libre, me semble. Je peux-tu dire ce que j'ai envie de dire pour une fois? Vivre dangereusement, c'est ça qui me garde en vie. Je peux pas croire que t'as pas arrêté. J'ai tellement honte. La game, c'est qu'on sorte sans France, au plus ça craint. Si tu te bois d'amphétamine le jour, que tu travailles comme un singe, puis en plus, tu reçois des lettres de menace, ça se peut que t'aies de la misère à dormir.